Hello à tous mes petits amours, c'est Gabi, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. On va regarder un petit peu les messages que je peux te faire passer aujourd'hui, donc concentre-toi sur tes questions et concentre-toi aussi sur la personne de ton cœur. Alors, par quoi on va commencer, cher petit choubidou? Alors, j'ai envie de prendre, peut-être que celle-ci, elle a quelque chose à nous dire. Avec l'ange, oh ma belle, cette instabilité passagère, pas de précipitation, un pas après l'autre, finis ce que tu commences sans vouloir imposer aux autres tes points de vue. Pendule, numérologie, astrologie sont favorisés, je t'impulse l'indépendance. Donc ici, j'ai envie de regarder toi et ton autre, donc la personne de ton cœur. Si tu es en mode célibataire, et eh bien écoute, peut-être ça c'est pour celles qui sont célibataires. Si tu es célibataire, peut-être cette personne qui arrive à toi. Ok, donc ça sera un petit peu pour les célibataires. Kaliel, 5h55, la prudence, la justice. Je lève tes doutes, te préserve des situations confuses et des accusations diffamatoires. Tu es une personne de confiance, n'en doute pas. Justice divine sera rendue en ta faveur. Je t'impulse la vertu. Ça, c'est pour une personne en particulier, pour tout le monde, et puis aussi pour les personnes qui sont célibataires. Donc, peut-être que toi, célibataire, il peut y avoir eu des injustices, et on te dit que justice sera faite. Allez, on y va, la personne de ton cœur. Et pour toi, toi qui me regardes, allez, on y va. Élémia, 1h10. La colère, la découverte. Prends les décisions qui s'imposent. C'est le moment d'être ambitieux. La chance est à tes côtés. Je te protège également contre les influences occultes négatives. Je t'impulse l'action. Tu vas découvrir quelque chose qui peut te mettre en colère. Alors, si tu as les oreilles qui sifflent, qu'est-ce que ça veut dire quand on a l'oreille qui siffle? Tu vas découvrir quelque chose. Ah, on a quand même la colère et la découverte. On te protège des influences occultes et négatives. Donc, des personnes qui enverraient des... voilà quoi. Ok, pour la personne de ton cœur. Les Aya, 11h17. Le manteau, la promotion. Ne te décourage pas. Je pense que c'est quelqu'un qui garde la foi alors. Tu vas bientôt recevoir une prime, une augmentation, et ainsi retrouver la considération que tu mérites. On lui impulse l'authenticité et la persévérance. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui cherche à grandir dans sa vie. On a la curiosité, le nettoyage et la santé. La curiosité n'est pas un défaut lorsque l'on cherche à s'améliorer. Entre désir et besoin, il te faut trouver le juste équilibre pour ne pas sombrer dans la futilité. Dans le domaine de l'élevage, l'amour de ton travail sera couronné de succès. On t'impulse la prospérité. Donc on peut voir un autre un peu curieux. Et on voit aussi quelqu'un qui est en plein nettoyage. C'est une personne qui a besoin de se nettoyer, de se purifier, de retrouver confiance en lui pour aller de l'avant en toute sérénité. Voilà, le domaine de la santé et son allié. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine aussi médical. Hein. Bon. Ok. Allez, on va regarder un peu plus loin. Pour la personne de ton cœur. Allez, peux-tu nous dire un petit peu ce qui se passe au niveau love, love, love avec notre autre? Qu'est-ce qui se passe de l'amour, hein? C'est un amour sincère déjà. Hein? C'est un amour sincère. Donc ça me plaît déjà pour commencer.
Ici, on nous demande d'avoir confiance, d'accord? Il y a comme une ouverture aussi au niveau du monde. Ça peut être une ouverture pour toi, une ouverture de ton bien-être, autant pour toi que pour ton autre. Hein, ça peut être ça. La personne de notre cœur. J'aime moins. Hein. Bon, c'est une personne qui doit être en doute en ce moment. Hein. C'est une personne qui peut être triste et qui a le cœur un peu perdu, le pauvre. Eh bien, écoute, on a une tierce ici, malheureusement. Je suis désolée, elle est sortie comme ça, la copine. On voit que c'est une personne qui est très jalouse, d'accord? Et elle... Bon, c'est une personne très jalouse. C'est une personne qui est là, tel un escargot, lentement mais sûrement. Quelqu'un qui, ouais, voilà, hein, tranquillou, mais sûrement. Hein. Donc, bon. Alors, cette personne aussi peut avoir une genre de curiosité sur une femme. Hein. D'accord? C'est totalement possible. Comme si on observe, en fait, une femme. Pour mon impératrice ou mon empereur qui me regarde, s'il te plaît. Alors pour toi, ben voilà, hein, on te reparle encore une fois de quelque chose d'inattendu. Tu vas découvrir quelque chose, ben voilà, que tu t'attendais pas. Et ça va te faire, je pense, plaisir, hein, je l'espère, parce qu'ici, on te parle de plusieurs possibilités, d'une grande protection aussi. Tu vois jusqu'où, hein, je peux aller jusqu'à là. Voilà, on voit la naissance de quelque chose, on te voit renaître, hein, on parle ici de projet, de découvrir quelque chose qui va nous faire super plaisir ici. C'est un coup de chance. Par contre, de ce côté-là, on voit que, je ne sais pas... Il peut y avoir une femme autour de ton autre qui n'est pas très bonne. Donc, je vais aller essayer de voir avec celui-ci. On va voir ce qu'on peut avoir. On voit des gens qui travaillent dur, hein, qui sont minutieux au travail. Ça peut être une femme, quelqu'un qui travaille avec ton autre. Hein. Allez. Qu'est-ce que tu peux... Je vais peut-être faire... Oh, je sais pas. Ouais, c'est une perte de temps. Allez. Ma reine de denier, direct, ok. Donc déjà, moi, ici, pour moi, ton autre, c'est une personne qui garde la foi, d'accord? Ouh, cavalier d'épée. Une troisième, s'il te plaît. Sur cette 47, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux avoir? Ici, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une femme ici. C'est une femme avec un grand pouvoir. Hein, le troisième œil très ouvert. Ouais, c'est ça. Et tu as vu, on a, je l'avais vu, on a la foi qui revient. C'est très joli. Hein, la foi et la force ainsi que la lune. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de médiumnité, quelqu'un qui voit dans le noir, j'ai envie de te dire. On peut ressentir un peu de tristesse par rapport à des choses du passé, mais c'est pas, voilà, c'est rien par rapport à cette force spirituelle ici qu'on peut avoir. Hein. Vraiment, c'est comme si on est attaché directement, je sais pas comment on dit, canal akashique, direct à la source. Hein. C'est radical. Bon, ici, on a une femme autour de ton autre, une impératrice, toi, mon impératrice, la reine de denier. On voit une femme avec le troisième œil très ouvert, d'accord? On voit quelqu'un vraiment, voilà, qui peut avoir une très grande médiumnité.
On te dit quand même malgré tout de faire attention parce que moi je pense qu'il y a un serpent un peu malhonnête autour de ton autre qui peut être là. Hein, ça peut même être plusieurs personnes. On a le chevalier d'épée, le chevalier de deniers, d'accord? Donc ça peut être, je vois comme de la rivalité, tu vois ce que je veux dire? Comme un peu de rivalité. Par rapport à notre hôte, s'il te plaît, qui est cette reine de deniers, tout ça, s'il te plaît. La tour et le roi de coupe. Ouh là là. Avec la 6 de coupe qui nous parle du passé, qui nous parle de souvenirs du passé. Donc là, ici, j'ai envie de te dire que par rapport à toi, mon impératrice, c'est quoi cette carte? La promotion de ne pas se décourager. Par rapport à toi, mon impératrice, je pense qu'il y a des révélations par rapport à ton homme de cœur, hein, par rapport à l'empereur. Il reçoit des choses au niveau du cœur et je pense que ça le perturbe, hein. Il y a la tour, il y a quelque chose qui s'effondre pour lui par rapport à toi. Ouais, c'est très émouvant. C'est très émouvant parce que c'est comme si en fait il attend des révélations te concernant, comme si en fait, attends, je vais te soulever ça un peu, comme s'il attendait en fait, tu vois, un genre de communication, une genre de nouvelle, une genre de quelque chose, tu sais, qui une révélation en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est réellement ça. Il y a quelque chose qui se passe entre toi et lui. J'aimerais savoir ce chevalier d'épée et ce chevalier de denier. Alors, ça peut très bien être cette femme ici qui t'envoie à toi, mon impératrice, des chevaliers de deniers. Hein. Alors, attention, ce n'est pas forcément des chevaliers, c'est des petits soldats. Hein. Elle peut t'envoyer des petits soldats. Ouais, des petits soldats. Mais bon, on a le soleil, donc en fait, un éclaircissement sur ces deux personnes, sur tous ces personnages. D'accord? On a vraiment. Voilà, ici, moi, pour moi, c'est la révélation. Tu peux aussi le ressentir au fond de ton cœur, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. Hein. C'est comme si tu vas. Okay, écoute. Tu vas le ressentir dans ton cœur. Tu vas avoir comme un. Voilà, dans ton cœur, tu vas sentir la révélation. Ça va être une révélation. Et même au niveau de ton autre ici. Ben ouais, il y a une révélation. Je pense que tu vas avoir des nouvelles. Tu vas savoir quelque chose. Ben voilà, positif ou pas, on va voir. Hein. Là, je voudrais encore en bas de mon roi de cœur et ma tour. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouh là là, là, c'est chaud patate. Hein. Regarde ce qui sort. Hein. On a le roi de denier. Donc, on a le double de cette reine de denier. C'est un homme qui est protecteur, qui est bien. Alors, est-ce que c'est de ces deux côtés-là? Une chance inattendue? Ok, ici, parce que regarde, moi j'ai le roi de denier qui est là. Et en dessous, j'ai quoi qui sort? J'ai la 6 d'épée. Donc ça, c'est quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un, une femme ici qui quitte un endroit pour aller dans un autre. Mais il fait sombre, hein, personne ne sait, personne ne voit. Ouais, 5 d'épée, l'as de bâton et l'ermite. On veut rejoindre quelqu'un ici, clairement. Hein. Moi, pour moi, tu vois, cette femme ici, elle est guidée pour aller rejoindre son quelqu'un. Peut-être lui. Donc, il y a des révélations ici qui arrivent avec un roi de cœur. J'en voudrais. As de 9 de 9 9 de denier de l'argent. Ici, il y a de l'argent qui tourne. 6 de denier, pardon. 6 de denier, pardon. Bah, c'est de l'argent qui tourne quand même, hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui va donner de l'argent à quelqu'un. Tu vas peut-être recevoir, je sais pas, c'est comme si il y a quelqu'un qui donne de l'argent à quelqu'un. Comme si, voilà, je sais pas, une sorte de chose comme ça pour dépasser des blocages, peut-être.
Bon. En fait, il y a comme quelque chose qui s'arrête au niveau avec la tour, tu vois. Ici, c'est voilà, c'est quelque chose de radical qui arrive dans la vie. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est un rééquilibrage, on va te dire. Ici, tu vois. Et il y a de l'argent. Y a comme quelque chose qui va être donné. D'accord? Bon. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette note de bâton? Parce qu'on voit qu'il y a un, ça y est, il y a un retard, il y a quelque chose. Je vois un roi de cœur qui est super mal en fait. Ouais, 6 de cœur, hein, c'est quelqu'un du passé qui a des sentiments très forts et je pense que c'est regarde, la foi qui ressort avec la force. Donc c'est quelqu'un qui te ressent. J'ai envie de te dire que c'est quelqu'un ici qui te ressent, qui a des souvenirs hein, par rapport à toi. Ce roi de cœur, donc, il a des souvenirs par rapport à toi, il a des révélations te concernant, et je pense que ces révélations te concernant qu'il a sur toi, ça le met à genoux. Il est KO et il ne fait que penser à toi. Voilà. Ensuite, ces deux chevaliers ici, c'est comme si tu as une femme. Une femme serpent, t'as vu, elle ressort de toute façon, elle nous colle en ce moment. Eh bien, c'est comme si elle a des chevaliers, voilà, du monde à l'envers. Hein, donc, je pense pas que c'est des. Tu vois ce que je veux dire? C'est tomber le monde à l'envers, donc plusieurs personnes qui, je pense, ne sont pas eux-mêmes sur le bon chemin. Vraiment, je les sens pas sur le bon chemin. Je les sens comme s'ils étaient en train de t'épier. Comme si c'est en train de t'épier ces personnes. Mais tu vas avoir une révélation sur beaucoup de monde, mon impératrice. Oh oui. Une dernière, s'il te plaît. Ah, le 3 de denier. Des personnes qui travaillent ensemble. Hein, qui travaillent dur. Et je pense, je voudrais une sur cette 47, s'il te plaît. Une sur cette 47. Une autre, parce que... Oula. Alors, super. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment des dépendances bizarroïdes au niveau love, déjà, c'est ce qu'on peut te dire. Hein, quelqu'un qui est très, très, très jalouse. OK? Bon, ça, c'est clair. Ensuite, on a la justice. Donc, attention. Et puis, celle-ci, c'est celle-là que je voulais. 9 de denier. Donc, c'est quelqu'un un peu qui pense aussi à l'abondance, qui pense à l'argent. D'accord? Mais c'est quelqu'un avec ces deux cartes un petit peu bizarroïdes ensemble. Tu as vu, c'est chaud patate. C'est quelqu'un qui a des dépendances affectives terribles. C'est une personne très jalouse et en fait, elle travaille. Mais tu vas avoir une révélation. Et je pense aussi que même par rapport à cette tierce, je pense que cet homme, hein, peut-être que dont elle est jalouse, il y a comme une révélation, comme s'il va avoir une révélation, il va voir des choses qui vont le mettre à genoux. Le lien entre le roi de coupe et la reine ici, 47. Le lien entre deux, s'il te plaît. Oulala, l'empereur. Avec la 9 d'épée. Ah ben c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. C'est quelqu'un qui dort pas bien, cet empereur. Le lien, elle lui fait pas bien dormir, cette femme, cette tierce en fait. Il n'est pas bien du tout. Il dort très très mal. C'est comme si même il pourrait faire même carrément des cauchemars. On dirait. Hein, d'accord? C'est comme si il est. Bon, même elle, hein, même elle peut être très très mal. Hein. Au niveau love, hein, au niveau love, ça peut être très compliqué. Hein. C'est comme si elle avait la clé Damoclès sur la tête. Une sur la 9 d'épée. Et lui, c'est comme si... bah, je sais pas. C'est comme si... je sais pas. Hein. Alors, une pour l'empereur, une pour elle. Regarde, la 5 d'épée, hein, c'est très compliqué. C'est comme si c'est la crise, comme si c'est la bagarre dans sa tête autour de cette personne. Hein. Et puis, ben, lui, par contre, c'est le 6 d'épée, mais à l'envers, c'est comme s'il manque de courage pour quitter cette situation. L'as de bâton. En fait, il a une passion au fond du ventre, hein, parce qu'il est ressorti aussi en roi de bâton. Mais est-ce qu'il a le courage de quitter? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on a la 4 d'épée. C'est comme si, à l'instant présent, on dort. Il dort, il est bloqué au-dessus des épées. Donc, il peut pas quitter. Pour pouvoir quitter, il va falloir qu'il quitte comme ça. Tu vois, par la fenêtre, sournoisement, derrière la porte, derrière le jardin, ou je ne sais pas, en sournoiserie en tout cas. Hein.
il sera obligé. Une autre pour cet empereur par rapport à ce départ. Le jugement et la 7 d'épée qui ressort. Donc ça va être compliqué. Ici, vraiment, pour faire tourner la roue, il va falloir se défendre. Il va falloir que cette personne, tu vois, je la vois faire les choses un peu sournoisement. Ouais, ça me fait penser à une genre d'histoire, quoi. Ça me fait penser à comme si, en fait, tu peux attendre. Tu vois, ça me fait penser, par exemple, je sais pas, quelque chose. Bon, là, je vais reprendre les cartes parce que j'ai plein de messages qui me viennent et ça va être un peu compliqué pour... là, c'est trop. Alors, attends. On va continuer. On va continuer, continuer. Je vais regarder ça après ma choubidou. On va regarder déjà encore ici vite fait. Bon, le roi de denier qui ressort avec l'ermite. Donc là, moi, j'ai un roi de denier, donc un homme autour de toi. C'est un homme assez protecteur qui est bien positionné dans la vie, dans le 3D là, terrestre. Ouais, quelqu'un qui est bien, c'est une personne aussi qui peut être guidée, et ça peut même être quelqu'un qui vient t'aider du monde de l'au-delà, un guide qui vient t'aider du monde de l'au-delà. Ça peut être un message particulier ici, hein. Voilà, regarde, la grande prêtresse. Ça peut être par exemple un guide c'est ton guide, un guide qui est là pour venir un peu t'aider dans ton cheminement. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce roi de denier? Cavalier d'épée. Ouh là là, la lutte. Je pense qu'il y a un il peut y avoir cavalier d'épée, il peut y avoir des personnes autour de toi un peu bizarroïdes, hein, qui veulent un peu la bagarre, mais je pense que là, ici, il y a la protection, hein, d'accord? Il y a une très grande protection qui va régler le problème, je pense. S'il te plaît, j'ai besoin d'avoir d'autres éléments là-dessus. Ok, on a un conflit mental dans le cœur et voire même dans une maison. Tu vois, quelqu'un qui dort ici et quelqu'un qui rêve simplement de quitter la situation très compliquée ici. Mais c'est quelqu'un qui est enchaîné à quelque chose de vraiment dur, hein, parce qu'on a la 4 d'épée, la 6 d'épée, la 9 d'épée. Hein. Bon, il faut réajuster tout ça parce que, voilà, on nous demande ici de travailler sur nous. Parce que là, on a notre monde à l'envers, on dort très très mal. En fait, on voudrait quitter, cette personne peut-être voudrait quitter, mais ce n'est que dans ses pensées pour l'instant. Cet ermite, le 3 de bâton. Quelqu'un qui va venir te... J'ai l'impression ici qu'on peut avoir quelqu'un qui nous vient en aide. Hein. On peut avoir ici quelqu'un qui va venir nous guider, qui va venir nous, tu sais, nous envoyer la lumière pour nous dire, ouais, vas-y, c'est par là que ça se passe. Réellement. 10 d'épée. Hein. J'ai un empereur ici qui souffre énormément. Et peut-être qu'il attend aussi cette personne. J'ai l'impression qu'il attend d'être guidé. Il attend peut-être qu'on vienne le sauver, hein, cet empereur-là. Ouh là là. L'empereur. Il a mal dans sa chair. Dans sa chair. Cet empereur. L'impératrice. Il a mal dans sa chair pour son impératrice, en fait, tu vois. Là, il y a vraiment un bête de message, quoi. Et c'est vraiment très beau, c'est très compliqué. Donc, en fait, cet empereur, bah, c'est quelqu'un qui va réussir de toute manière. Mais, waouh, les épées qu'il a dans le dos. Il attend simplement, en fait, qu'on vienne lui allumer la lumière, en fait. Il cherche la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est cette ouverture ici qui arrive, hein, ce bateau. Tu vois, on voit un bateau. C'est ce bateau qui vient le sauver. Hein. Alors, bateau ou ce que tu veux. Hein. Mais en fait, on analyse quelque chose. On a besoin d'avancer ici.
c'est très dur. Il y a quelque chose qui se termine et c'est rapide dans la vie de cet empereur. Ce chevalier d'épée avec l'empereur, j'ai l'impression que cet homme, il prend du courage. Il peut prendre du courage et il peut y avoir aussi des énergies néfastes hein, sur l'empereur et l'impératrice ici. Hein, ça peut être représenté par rapport à ces chevaliers d'épée. Donc, chevalier d'épée, bien évidemment, c'est des personnes qui ne sont pas capables d'être des vrais rois et reines. Hein, d'accord? Ce n'est pas des empereurs, ce n'est pas des impératrices. C'est des petits clowns, hein, c'est des petits soldats. Une pour le cavalier d'épée, s'il te plaît. Je vais la chercher. Et je voudrais aussi une pour la 5 de bâton, parce qu'on voit ici que au-dessus de ta tête, mon impératrice, il y a beaucoup, beaucoup de lutins. Hein. C'est peut-être ces trois-là, je ne sais pas. Ouais. On te demande ici de garder espoir. J'ai vu l'étoile travailler, réfléchir à la situation. Une pour mon impératrice. Ok. Valet de denier et 6 d'épée à l'envers. Toi aussi, tu manques de courage. Ou alors, on peut te dire de renoncer à un projet, de renoncer à quelqu'un ici. Valet d'épée, quelqu'un qui n'est pas clair, hein, quelqu'un qui n'est pas clair, quelqu'un qui... Je sens un projet qui n'est pas... Qu'est-ce que je peux avoir sur le valet de denier, s'il te plaît? Je vais la chercher. Ok. Quoi qu'il en soit, ici, avec la 5 d'épée, il y a des problèmes au niveau du cœur. Une pour ce cavalier... Chevalier d'épée, qu'est-ce que nous avons? La reine d'épée. Oh, mais alors, mais franchement, qu'est-ce qu'elle est belle dans cette carte. Mais bon, dans le cœur, c'est pas pareil. Parce qu'ici, on a donc une reine d'épée qui est sur la tête de ton empereur et qui le tient, en fait. Hein, qui lui pompe son énergie, qui lui fait du mal. Hein, d'accord? Voilà, tout simplement. Et puis, bah voilà. Hein, les amoureux. Très amoureux, mon empereur et mon impératrice. Très, très, très amoureux, mon impérateur et mon impératrice. Le pendu. Le pendu pour cette reine d'épée. C'est une personne qui essaye d'analyser les choses. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui est bloqué. Hein. Donc, déjà, ça, c'est clair. Elle se bloque. Elle est bloquée. On la met, on la bloque. Tout simplement, elle est bloquée. J'ai l'impression qu'ici, on peut être bloqué dans le temps. Il y a le temps qui s'est arrêté. OK? Le temps s'est arrêté. Dans le miroir. L'empereur. La force. La force et la sagesse. Par contre, il a pu faire des choses au niveau du passé qui ne sont pas bien. D'accord? Et qu'il y a des choses à régler au niveau du passé. Ça sera le lien entre vous, toi, mon impératrice. Le 2 de coupe. Waouh! Trop d'amour. Trop, trop d'amour, mon impératrice. C'est pas trop mignon. C'est trop chou à la crème. Le lien entre vous. La justice. Donc en fait, moi je vois que pour réaliser cet amour ici, il va falloir en fait régler des choses ici au niveau du passé. Et cet amour donc entre vous, la 5 d'épée, hein, ça picote. Hein. Ça pique. Hein. Il y a des crises. Il y a des tromperies. Il y a des mensonges. C'est pas pour ma reine d'épée, hein, ça c'est pour le valet. Peut-être qu'en fait, il peut y avoir quelqu'un qui arrive dans ta vie, donc c'est un valet d'épée. Et c'est du faux amour, c'est pour ça qu'on dit ne trompe pas. Réfléchis bien à la situation en fait. Travaille, réfléchis, sois minutieux. Regarde les choses vraiment, regarde les choses avec minutieusement. Minutieusement, n'importe quoi. Parce qu'en fait, on te voit aussi attendre autre chose. Et ce autre chose, s'il te plaît. C'est un manque de quelque chose. Hein. Tu réclames quelque chose. Là. Ouais. Pour sortir de ce truc-là. Donc, c'est pour ça, fais attention. Ne te trompe pas.
Vaut mieux parfois patienter à la bonne récolte que se jeter dans une mauvaise relation qui, au bout du compte, nous fera plus de mal que de bien et pourra avec quelqu'un qui n'est pas forcément bien pour toi. Maintenant, hop, celle-là, on va les laisser là. Je vais regarder pour c'est quoi cette découverte. Cette découverte pour toi, mon impératrice. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Hein, parce qu'on voit qu'il y a des décisions qui s'imposent. Qu'est-ce qu'on va découvrir? La reine de cœur, déjà, te voilà. Donc, on voit déjà, toi, que tu es dans... Voilà, tu es vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de juste. Quelqu'un avec de l'abondance. On voit la mer ici. Quelqu'un de vraiment très, 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 très bien. Très belle de l'extérieur et de l'intérieur. Ici, on voit qu'il y a des choses au niveau du passé. Hein. Je pense que ça peut concerner aussi là-bas. Tu vas découvrir des choses au niveau des passés, d'accord? Ou tu peux aussi découvrir des choses au niveau des enfants. Ici, on voit que il y a de l'abondance à gogo qui arrive pour toi. Tu peux aussi découvrir un gros secret, beaucoup d'abondance. Hein. C'est comme si tu vas découvrir quelque chose, peut-être du passé, je ne sais pas. C'est comme si tu vas ouvrir une boîte, ouvrir quelque chose et hop, bingo, c'est jackpot. D'accord? Par rapport à ça, tu vas avoir un choix, une porte, une destination. Il va falloir prendre la meilleure des portes. Tu vas réfléchir, tu vas te poser des questions. À gauche, à droite, tout droit, qu'est-ce qui se passe? Et bien ici, peut-être qu'on te demande après maintenant d'agir avec ton troisième œil, hein, de comprendre avec ta médiumnité, d'essayer de prendre la meilleure des décisions, mais avec ta tête, avec ton intuition, avec ta médiumnité, avec tes dons. D'accord? Par contre, au niveau professionnel, au niveau de ton abondance, de tes enfants et tout, reste toujours cette reine de cœur, hein. Bon, pour agir, il va falloir que tu fasses activer ton troisième œil. Ici, on peut voir aussi, d'accord, que tu peux rencontrer sur ta route une femme, d'accord, et c'est une femme avec beaucoup de clairvoyance qui va venir peut-être aussi te... Il y a le troisième, il y a de la médiumnité qui va se développer énormément ici. 9 d'épée, s'il te plaît. Lors de la lune, c'est comme si... Alors, est-ce que cette... Alors, oula, le pendu, le chevalier de coupe et le chariot. Donc ici, il y a quelqu'un qui arrive à nous. On voit un blocage, on voit qu'il faut réfléchir à ça. Ça arrive à nous, chevalier de coupe. Ok. Non, moi j'ai besoin de savoir ici cette reine de denier, s'il te plaît. Est-ce que c'est mon impératrice ou est-ce que c'est une femme autour de toi avec un troisième œil énormément ouvert et qui pourrait être là pour essayer un petit peu de te t'enduire en erreur. J'ai l'impression avec la lune et les 9 d'épée, c'est pas forcément un bon ménage, d'accord? À part si c'est toi, à part si c'est toi et voilà. Mais là, j'ai pas la... De toute manière, on va être guidé ici, hein, d'accord? On va être guidé jusqu'à une femme qui veut la bagarre. C'est une femme qui travaille, mais peut-être dans l'ombre. Hein. Voilà, ma reine de coupe, trois de bâton, ça me fait penser comme à tout à l'heure, comme si, comme l'homme, comme ton empereur, en fait, qu'on attend aussi d'être sauvé ici, qu'on attend le bateau, qu'on attend quelque chose, on attend voilà, le truc qui va faire que, hop, on va pouvoir construire, tu vois. Être sauvé ici, tu vois. Cette reine de denier. Oh, chevalier d'épée. J'ai senti que c'était peut-être une mauvaise personne. Ouais, ça peut être une très mauvaise personne ici. Ou alors, ça peut être toi qui va t'activer, mais bon, je sais pas. Je n'ai pas l'impression ici. Non, tu vois, carrément pas, quoi. Valet d'épée, chevalier d'épée, roi d'épée, bah pourquoi pas. Donc, ma choubidou, ici, tu vois, il y a des personnes autour de toi qui ne sont pas très bienfaisantes.
On peut parler ici, ça peut être accompagné d'un roi d'épée. En tout cas, ici, on voit qu'au niveau de la tête, au niveau du passé, il y a quelque chose qui déborde. Alors écoute, ce qu'on veut te dire, c'est qu'il peut y avoir une femme autour de toi qui n'est pas bonne. Donc, il faut te protéger parce qu'en plus, elle peut avoir un roi d'épée avec elle. Donc, elle peut avoir quelqu'un dans. Ça peut être une femme dans le mental. Une femme très néfaste et elle peut t'envoyer des soldats. Ok? Voilà. Je pense que toi, de ton côté, tu as le roi de cœur. Donc, c'est pas grave. Elle peut même t'envoyer sa grand-mère si elle a envie. Le lien entre ma reine de cœur et ma reine de denier. Eh bien oui, parce qu'en fait, comme ça, après la grand-mère, elle va aller la raisonner. La force, c'est des histoires du passé, d'accord? C'est des histoires du passé. C'est des histoires du passé. C'est des histoires qu'on n'arrive peut-être pas à zapper, hein, d'accord? Oui, ici, cette femme, elle n'arrive pas à parler. Elle a des choses à dire, mais elle n'arrive pas à parler. C'est bloqué. Regarde, tu vois le chakra de la gorge, c'est Kéblo au fond de la gorge. Elle a des choses à dire, mais elle ne les dit pas. Ouais, mon impératrice, toi de ton côté, par contre, ben, on est juste avec toi, on te donne de l'abondance parce qu'on voit ici un rééquilibrage, quoi. D'accord? Par rapport à un gros manque que tu as pu avoir au niveau émotionnel, hein. Quelque chose qui t'a mis à terre, qui t'a mis à genoux. Est-ce que elle est en rapport, cette reine de denier? Est-ce que c'est en rapport? Les souhaits? Ben, moi, je te dirais que oui. Ça a été un choix. Il y a eu un choix de fait par rapport à ses propres souhaits, cette femme. Et ça t'a mis à genoux. On nous le répète avec la 9 de bâton. Ça t'a bloqué. D'accord? Ça t'a bloqué. Ok. Donc là, on arrête là. Si tu sens une reine de denier, de toute façon, tu vas la ressentir. Tu vas te rappeler de ce que je te dis. Essaye de t'en servir, s'il te plaît, ma choubidou. Si tu vois quelqu'un qui dans ton œil, ton œil de sphinx, hein, parce au fur et à mesure du temps, en plus, tu vois, tu as tes capacités qui se développent. Ces personnes-là qui nous titillent, qui ne nous veulent pas du bien, elles ne sont pas là sur la chaîne. Donc, elles n'ont pas de l'avance comme toi, tu as de l'avance. Donc, tu vas le savoir, tu vas sentir, tu vas dire, ah, Gabi, elle me parlait peut-être d'elle. Tu vas le sentir, l'énergie, toi-même, tu sais, la personne en face, elle ne sait pas toi. Elle ne sait pas que toi, tu sais. Eh bien, tu la dégages direct, voilà. Maintenant, j'ai envie de quoi? J'ai envie de regarder le lien. Le lien de toi et ton autre, parce qu'on voit qu'il y a une tierce. Je suis désolée, ma choubidou, il y a des choses à dire, il y a des choses à parler. Quoi qu'il en soit, même s'il peut y avoir une trentaine de tierces, quand l'amour il est sincère, il est sincère. Par exemple, j'ai envie de te dire, hein, voilà, c'est vrai en plus, hein, la vérité c'est vrai, ça me vient comme ça, c'est pas de ma faute. Hein, je peux pas non plus obstruer mes pensées. Dans un harem, un harem, imagine un beau prince du Sahara et tout. C'est comme dans les films et tout, avec ses yeux verts, avec du kohl sous les yeux et tout, son turban, oh trop bien. Ben, par exemple, quand il a un harem, il a plusieurs femmes. Il a toujours sa préférée. Il aura toujours sa préférée, tu sais, toi aussi. Genre, au fond de lui, il y aura toujours cette femme-là qui pour, par rapport aux autres, c'est son petit bonbon. Genre, c'est cette femme qu'il a envie de prendre soin d'elle comme prendrait soin de sa propre fille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pourquoi je disais ça en fait? Je disais, ouais, en fait, comme dans l'ancien temps, hein, dans l'ancien temps, il pouvait avoir plusieurs femmes ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. Puis quand tu regardes bien, genre quand tu regardes bien, même si ton âme, ils sont contre l'adultère, contre les mariages, plusieurs, tu sais, comment on appelle ça, en double, des fois triple et quadruple et tout, mais de toute façon, tu regardes, il y a beaucoup d'histoires comme ça, même dans le secret, tu vois ce que je veux dire? Les hommes, parfois, ils ont plusieurs femmes dans leur cœur, comme les hommes, les femmes, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Allez, on est tracassé par ce genre de blocage, hein, tous ces genres de choses qui nous bloquent dans notre vie, qui nous empêchent ici d'avancer. D'accord? Donc là, on va les demander avec cette personne. Hein, donc ici, on nous redit, hein, c'est la dernière fois que je la vois, je vais la mettre droite, hein, de garder la foi. On va avoir comme un éclaircissement. Donc ici, je voudrais qu'on nous parle de cet amour qui est sincère. Ouais, sincère, je ne sais pas en vrai.
Oh là 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 là, pourquoi ces énergies sont comme ça en ce moment là, ces serpents, ces sphinx, ces machins, ces trucs. Bon, ici déjà, on voit qu'il peut y avoir des trinquages avec, par exemple, quelqu'un qui travaille avec toi. On va fêter quelque chose parce qu'on va réussir à gagner quelque chose dans le travail, une promotion ou tu vois, quelque chose qu'on va avoir gagné, d'accord? Ça peut être aussi avec nos enfants ou ça peut être aussi que toi, avec ton toi intérieur, tu es content parce que tu as réalisé un de tes rêves. C'est comme si, tu vois, tu écris depuis tes petits tes rêves sur une feuille et hop, tu les réalises. Hop, tu mets une croix, t'as réalisé, et puis tu fais ça sur tous tes, comment dire, sur tous tes rêves. Ici, on a un message qui arrive d'une femme, hein, d'une femme, on te dit quel chiffre, le 51 ou le 15, je dirais plus 51, ok? Ici, on a la sournoiserie, je la reprends, si elle sort, on la prend, ok? Allez, qu'est-ce qu'il y a sur cet amour ici, hein, qui a l'air sincère, on dirait, mais peut-être qu'il y a des tierces, bon. Ici, on nous parle de conflit, hein, de rééquilibrer quelque chose. Bon, elle ressort, donc on fait quoi? On la prend, évidemment. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Elle ressort, donc ça peut être cette femme-là, 51, hein, dans ce... Il peut y avoir une femme, en fait. Donc, dans cet amour, qu'est-ce qu'on voit? Bah, direct, on voit quoi? Une séparation, on voit une dispute, on voit qu'il y a un glacement de situation. Par rapport à tout ça, on nous demande de patienter parce qu'il y a des révélations à avoir sur des personnes qui sont malhonnêtes. Je pense que tu vas avoir des communications avec ces personnes malhonnêtes. Tu vas avoir comme un éclaircissement avec ces personnes, avec cette personne, une ou deux. Quoi qu'il en soit, ici, tu pars pour de l'abondance, hein. On voit que de toute manière, dans tes pensées, c'est que ça. Et on peut avoir une personne qui pense énormément à toi par rapport à tout ce que je viens de te dire. S'il te plaît, je vais les chercher ou quoi? Donc ici, on va trouver une certaine paix, d'accord? On peut trouver une certaine paix, avoir des nouvelles par rapport à cet amour, ok? Je vais les chercher. Renaissance. Donc ça, c'est très bien. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui se transforme au niveau de cet amour ici, hein, que tu as dans ton cœur. Tu vas en avoir des nouvelles, ça arrive. Pour toi, mon impératrice, te voilà. Donc il y a des communications qui arrivent pour toi. Il y a des choses inattendues qui sont là pour toi, hein. Vraiment, tu vas en entendre parler, ça arrive. On va voir un petit peu. Moi, j'ai bien la sensation ici que tu vas réussir à trouver ton indépendance financière. Hein, d'accord? C'est pour ça que peut-être on te dit de continuer à charbonner, à travailler et de patienter parce que les choses sont en train de se mettre en route. D'accord? Il y a comme un changement pour ton élévation qui est imminente. Hein. Moi, je la vois ici. On voit que vraiment quelque chose, une surprise. Hein. Moi, je te vois indépendante, comme si tu vas trouver un petit peu ton... Le challenge de ta vie, quoi. D'accord? Bon, il peut y avoir aussi des disputes proches de chez toi, dans ta ville, dans ton bâtiment, dans ton entreprise, je ne sais pas, une dispute ou alors une cassure. Peut-être que tu peux aussi casser un contrat au niveau professionnel pour trouver ton indépendance. C'est possible parce que tu vas avoir une chance inattendue et tu vas la saisir. OK? Ici, on a un glacement de situation avec une femme autour de toi. On a le 51 ou le 15, comme je t'ai dit. Elle peut porter du rouge, du noir, elle peut avoir des chapeaux. C'est comme s'il n'y a rien qui avance avec cette femme. Bon, c'est peut-être avec elle aussi qu'on va mettre un terme dans une association, dans une alliance ou dans quelque chose qui ne rime à rien, qui ne sert à rien et que ça ne sert à rien, donc on ne sert à rien. On ne serre pas la main. Ici, on a quelque chose de renouveau, quelque chose de plutôt pas mal avec un empereur. Donc, on a le 48 ou alors le 84, si ça te parle. Donc, ça peut être quelqu'un, bien sûr, qui a une madame dans sa vie. Si c'est une madame dans sa vie, elle pourrait être un tout petit peu plus âgée que toi. Lui aussi peut être un tout petit peu plus jeune que toi. Lui, il est plus jeune qu'elle, c'est ça que je t'ai dit, elle est un tout petit peu plus âgée avec lui.
C'est comme si avec elle, c'est compliqué. Il y a quelque chose vraiment tu sais, de compliqué avec cette femme. Et peut-être que avec toi, c'est ce renouveau ici avec le 1, le soleil, la corne de l'abondance, comme s'il y a un renouveau. C'est peut-être aussi pour ça qu'on parle ici de la carte de la transformation et peut-être aussi d'un amour sincère et pur. Pourquoi? Parce que ça pourrait être aussi quelqu'un de tes amis, quelqu'un que tu connais énormément. On voit aussi qu'on a très envie de se parler, on a aussi envie d'une réunion, d'accord? Une réunion bien-être, une réunion, voilà, une réunion bien-être. On parle de quelque chose de caché, hein? Si tu vois ce que je veux dire, une liaison cachée, hein? Bon, voilà. J'ai besoin de savoir encore un petit peu. Je vais aller en prendre où? Eh bien, bah ici déjà. Donc ici, il y a un rééquilibrage à faire. D'accord? Il va falloir y penser. Il va falloir y penser. Peut-être c'est dans le commerce, hein. Et je sais pas, c'est comme si j'ai l'impression que pour réussir à trouver cet équilibre, il va falloir bouger. Tu vois, pour ce coup de chance. Bon, bah lui, déjà, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de dons spirituels, j'ai envie de te dire, et c'est quelqu'un qui a l'abondance, hein, quelqu'un qui est bien dans sa vie. Hein. Et il y a des liens, des réunions, comme je t'ai dit, Kundalini. Hein. D'accord? Vraiment. Ici, on peut voir ton empereur qui fait apparition, d'accord? Donc, voilà, ton empereur, l'homme de ton cœur. Ici, c'est un autre, hein, comme tu as bien compris. Ici, on peut voir que cette personne, il est dans une sorte de incompréhension. Peut-être qu'il comprend rien à sa vie, il comprend pas ce qui se passe, il est peut-être bloqué dans, je ne sais pas, c'est comme si tout est à l'envers, il comprend pas ce qui se passe. Pour toi, mon impératrice, je vais la chercher. Ici, on parle de certitude, on a besoin de parler, mais on n'y arrive pas. On est coincé. Dans ta maison, il y a des conflits. Donc, on peut parler ici, hein, qu'il va falloir un petit peu rééquilibrer la chose, se libérer un petit peu de nos enchaînements. C'est peut-être pour ça aussi qu'on attend une surprise. Peut-être qu'on a besoin de trouver certaine indépendance ici. Hein, d'accord? Ici, il y a des contrats. Donc, je ne sais pas, c'est comme si on va. Il y a des contrats de maison, si c'est possible, contrats de mariage, des choses très importantes qui vont se concrétiser, des procédures très importantes qui vont pouvoir un peu rééquilibrer ta vie parce que voilà quoi. Hein. Certitude quoi? Bah, c'est une femme qui a beaucoup d'amour quand même. Hein? Il y a un déplacement pour cette personne. En fait, on va lui permettre d'ouvrir son cœur à cette personne. On va lui donner le choix. Et elle est en train de travailler là-dessus. C'est une femme, hein, qui a peut-être un peu de chagrin. Une dernière pour l'empereur par rapport à mon impératrice. Cet empereur-là, bien évidemment. C'est une personne qui a envie de faire un petit temps de voyage. On te dit que c'est le message, genre aller dans un endroit un peu calme. Parce que c'est une personne qui doute au niveau de son cœur, il a besoin de bouger pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Et B. On peut ressentir un peu de culpabilité, tu vois, c'est comme si là je vois mes trois singes, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, j'ai rien à dire, tu vois. Ouais, pourquoi? Parce qu'on est accusé ici, il y a des gens qui nous accusent. Tu vois, j'ai bien, c'est ça, j'ai bien l'impression ici que on sent un peu de la culpabilité, qu'on peine à parler, on peine à entendre, on peine à voir, on n'a même pas envie de regarder les choses en face. On n'a pas envie d'entendre les gens et on n'a même pas envie de parler ici, en fait. Et puis, je te dirais que c'est pas plus mal parce que tout ça met du retard. Quand tu prends trop de temps à parler, tu mets moins de temps à agir, d'accord? Voilà, le temps que tu mets à parler, c'est du temps que tu mets pas à autre chose. Donc,
dans un sens, ces trois singes-là, peut-être par rapport à ce que tu traverses ici, peut-être que c'est pas plus mal. Ici, on a du retard à la maison, mais on voit quand même qu'il y a une observation. On dirait que c'est comme s'il y a des liens, une union qui s'annonce. Quelqu'un qui est sur le chemin, quelqu'un qui est sur le voyage, ou pas encore, parce qu'il y a un peu de retard. C'est quelqu'un qui vient de l'étranger. On parle ici de victoire, et puis c'est ton double, en fait, mon impératrice. D'accord? C'est ton double, c'est peut-être, alors il y a peut-être des différences de, comment te dire, de culture, des différences de tout en fait, hein, des différences, parce qu'on parle ici d'un étranger, ça peut être aussi quelqu'un qui avait déjà pris de la distance, parce qu'on a la carte de la distance, quelqu'un qui était dans un voyage, parce qu'on nous parle deux fois du voyage, comme quelque chose qui tourne, quelque chose qui s'arrête pas. Mais de toute façon, ici, on te parle, tu vois, cette personne, je la vois arriver. Hein. On va passer la porte hein, comme une porte temporelle. On traverse la porte pour aller jusqu'à l'impératrice, tu vois. C'est comme si on passe d'un monde à un autre. Et j'ai l'impression aussi qu'il lui apporte aussi pas mal de roses. Bon, bah écoute, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on te dit? Bah, en fait, on te dit quoi? On te dit que ça arrive, même si ça a pris un peu de retard, même si cette personne... Il y a du retard, il y a un petit blocage. Peut-être que ce blocage, c'est quoi? C'est les voyages, c'est la distance. Voilà, c'est peut-être aussi voilà, une certaine évolution, une certaine, tu vois, un chemin, en fait, quelque chose, je sais pas moi. Hein? Bon, la trahison, la naissance, pourquoi? Par rapport à un changement. Peut-être qu'il y a un retard par rapport à la peur de la... Ouais, regarde, le bouclier, c'est ça. On a peur, on se protège peut-être. Verdict à la maison, des accusations à la maison par rapport à, voilà, je ne sais quoi en fait. Hein. Ça sera du cas par cas par rapport au boomerang, par rapport au retour. Une ici. Ici, on ne s'entend pas, on ne se parle pas, on ne s'écoute pas. Mais pourtant, on est à la porte à la porte magique en fait. Hein. Regarde, il y a des choses qui sont en train de se travailler là. Par contre, la jalousie, hein. La jalousie qui fait du travail aussi sur vous, hein. Et ça peut même agir sur la santé, hein, sur le moral, en fait. Alors, il faudra vraiment faire attention peut-être à ce genre de jalousie qui pourrait mettre un peu d'instabilité dans cette union, d'accord? On pourra même faire jouer au niveau des enfants, là, hein, la trahison. Donc, bon, voilà, hein. Il faudra faire quand même attention. Un petit message juste pour terminer. Je vais prendre une comme ça. Bon, bah regarde. Hein. Je pense que les trois sont, ils sont connectés. Ici, on te parle de la réalisation de tes souhaits. Donc, il y a comme un coffre plein de trésors qui s'ouvrent à toi. Ce trésor, ça peut très bien être l'harmonie avec ton double, avec la personne qui t'est destinée. Bien évidemment, ici, on peut te parler d'une fondation qui sera solide. Et je pense que c'est peut-être aussi la récompense de tes prières, la récompense que tu as toujours tenu bon. Hein. Ça, c'est pour certaines personnes. Ok, ça, c'est la bonne nouvelle qui m'a tapé à l'œil. Donc, allons-y. Une pour cet éveil, pour l'empereur et l'impératrice, en fait, celle-ci. Perfectionnisme. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, mais ne laissez pas la peur, les peurs liées au perfectionnisme, vous emmener sur la voie de la procrastination. Donc, la peur n'évite pas le danger. Voilà ce qui me vient. T'as vu ? La peur n'évite pas le danger. J'ai eu un truc qui est tombé là-bas. La peur n'évite pas le danger. Tu vois, la guidance divine, ça a sauté magnifiquement. Et ça, cette carte doit être liée à là. Donc ici, on nous demande de nous motiver. Les idées que vous avez sont la réponse, sont les réponses du ciel à vos prières. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Donc ici, en fait, ces peurs qui ne servent à rien, de toute manière, avec le 1, le battleur, on a un éveil, on a un recommencement, quelque chose de nouveau qui s'annonce.
Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Donc tout ce que tu reçois en guidance privée à l'intérieur de toi, c'est ta guidance divine, c'est à toi quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Regarde, hein. Ici on a la 1, ici on a la 21, si c'est pas magnifique. Le monde pour toi, d'accord? L'univers, attendre son heure. Moi j'ai l'impression ici que les portes s'ouvrent, ok? Le chakra sacré est prisonnier de la peur qui est à l'envers. J'ai envie de l'avoir à l'envers. Ou même si, elle est, même si on pourrait avoir certaines craintes, hein, ce qui est totalement normal, hein, au niveau du cœur, au niveau de l'intérieur de notre cœur, et ben on te dit d'attendre ton heure. Même si on a des peurs au niveau du chakra sacré, on te demande d'attendre ton heure. Et surtout de ne pas avoir peur. On a l'univers quand même qui est là pour nous. Je peux aussi y voir ici l'impératrice et l'empereur, d'accord? Vulnérabilité, en rapport avec ça. Donc c'est ça, prisonnier de la peur. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Ta priorité, tu sais où elle est, donc tu n'as pas besoin d'avoir peur sur des choses qui n'arriveront jamais. En fait, c'est des peurs qui ne t'appartiennent pas. Pensée créative, d'accord? Donc, voilà, à part cette carte ici, je pense qu'on peut être, tu sais, avoir peur aussi du temps qui passe, hein, se dire, bon, voilà, le temps il passe, nanani, il n'y a rien qui avance, nanana, et c'est ça qui nous rend vulnérables. Plutôt, vaut mieux plutôt se concentrer sur nos choses, ne pas faire 10 000 choses à la fois, une chose par une chose, et s'accorder comme ça, d'accord? Bon, bah écoute, moi j'ai envie de te prendre une comme ça et après bah, je vous laisse. Hein, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est pour faire grandir la chaîne, c'est cadeau, c'est pour moi. Active aussi la cloche de notification, ça c'est cadeau, c'est pour toi. C'est pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Puis bah, dis-moi tes ressentis, tes sentiments, tous tes messages que tu as reçus toi-même. Parce que je suis sûre que à travers moi et aussi à travers, à travers moi, à travers ce que je te dis et à travers tes yeux, lorsque tu regardes, c'est obligé que tu reçois aussi toi-même des messages. Donc, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Allez, je vais prendre une pour l'empereur, une pour l'impératrice et une pour ton lien avec cette personne. L'univers sera mon impératrice et le battleur sera mon empereur. Et l'impératrice en plein milieu sera donc le lien. Allez, on y va. Je vais aller les chercher parce que celles-là, elles sont tellement grandes. Hop. Alors, oui, mais je n'avais pas décidé. Donc, celle-là, ça sera peut-être pour tout le monde. Parce que bon, ben voilà, c'est comme ça. Allez, on y va. Je voudrais une pour mon impératrice. Hein, message d'aide, voilà. Dans quelle est... Voilà, on verra. On verra. Ok. Pour l'empereur... La personne, ou l'impératrice, évidemment, c'est celle-ci. Et puis, celle-ci, ça sera pour le lien. Le lien entre ces deux personnes. En dos de deck, on a la maison, la tour, la maison de Dieu. Donc ici, on peut véritablement parler de révélation qui arrive, des choses qui vont remettre tout le monde à sa place. Ok. Toi, mon impératrice, ou toi qui me regardes, quelle carte va avec toi? Oula! Eh bien, la 15, hein, on voit qu'il y a beaucoup de choses... Waouh! Dépendance, jalousie. Ouf! Dépendance, jalousie. Et puis, ouais, ça va bien avec la 8 de pique, hein, je te dirais. Hein. On peut vraiment... Ça peut être plusieurs choses, plusieurs cas de figure, mais ce n'est pas forcément très positif, là. D'accord? Il va falloir se détacher de certaines choses, sortir un petit peu de cet emprisonnement qu'on peut ressentir, là. Il va falloir un petit peu, voilà, ce chakra sacré, il va falloir le laisser immerger, il va falloir un peu expulser tout ça, expulser l'œuf, comme on dit, voilà, quoi. Pas forcément, peut-être que là, maintenant, c'est plus l'heure d'attendre son heure. Peut-être que là, c'est le moment de sortir un peu de sa cage dorée ici, hein, de sa prison, là.
Parce que ces dépendances sont un peu ici, je les vois compliquées, je les sens compliquées, ces dépendances ici, là. Ok, ton empereur, le monde, t'as vu, on a le monde ici, et là, il est du côté de l'empereur. Donc, il y a, lui, déjà, il a un éveil spirituel énorme, d'accord? Il est en train de comprendre des choses sur le monde, sur l'univers, sur la création. Donc, déjà, c'est bien. On voit ici aussi une grande protection. Ouais, une grande protection sur lui. C'est comme si, en fait, il est vraiment dans son, comme le masculin divin. Il est vraiment dans son royaume, là, tu vois, comme un pirate sur son bateau, quoi, hein, sur son navire. Le lion, l'empereur, tu vois, là, c'est lui qui tient, bah, comme on dit, qui porte le pantalon, hein. Ici, on voit beaucoup de dépendance, beaucoup de jalousie, hein. Il y a beaucoup de choses ici, hein. Le lien, enfin, cette carte, c'est quoi? La force, quelque chose au niveau du passé qu'on a réussi à affronter. Par contre, il y a quelque chose qui me travaille, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien. On peut avoir un éveil. C'est comme s'il y a une genre de protection. J'ai envie de regarder juste une lame. C'est comme si, en fait, je sais pas. Il y a comme quelque chose de pas très clair ici. Je voudrais une pour l'empereur ici. Ouh, l'as de bâton, hein, c'est des choses très puissantes qu'il peut y avoir entre dans le lien. Hein, et on a le triomphe, c'est quelque chose, c'est une passion débordante ici. Hein, et c'est ça en fait la dépendance, c'est qu'on ressent énormément de dépendance, de jalousie, etc. etc. Hein. Ici, il peut y avoir une tierce, évidemment. Donc, on parle ici d'un changement. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit bouleversement, mais il y a un déplacement avec une tierce ici. Vraiment, on parle peut-être... Ouh là, on parle dans la maison, dans le cœur. Il peut y avoir un peu de tristesse. On voit aussi des personnes qui épient, qui regardent sans cesse. Une pour cette reine de bâton, s'il te plaît. Ça peut être, ils peuvent avoir, ouais, c'est une personne qui n'est pas forcément bien, hein. C'est une personne qui sent un peu de tristesse ici, on ne va pas se mentir, hein. Vraiment, il y a des pensées au niveau du passé, on regarde énormément les choses du passé, on peut penser aussi à l'argent, j'ai vu qui est la reine de cœur. Pourquoi ce 8 de pique? Pourquoi cette personne se sent ben, prisonnier de la peur, hein, parce qu'elle revient. Pourquoi? Ben, par rapport peut-être à ses, aux nouvelles choses qu'elle veut. C'est vraiment pas une très bonne. C'est quelqu'un qui épie, quelqu'un qui prend des informations, quelqu'un de. Bon. Bizarroïde, hein, mais je vais pas aller plus loin. Ici, on peut avoir aussi une femme, d'accord, au niveau spirituel, qui est là et qui fait un peu une sorte de barrière de protection. Qui fait une sorte de barrière de protection, en fait. Ouais. Ah oui. Par amour. Et avec les pensées. Et ça peut être toi, hein. Ça peut être on te protège avec une, tu sais, comme une barrière de protection, comme si, je ne sais pas, sans que tu le saches. Bon, bah écoute, c'est un peu, on nous dit de faire gaffe, je ne sais pas, c'est comme si avec cette carte-là, je ne sais pas, tu as peur, il faut que tu sortes de ça, hein, c'est pas possible, hein. Tu vois, ça va avec ça. Ça peut même être au niveau chakra sacré, hein. Tout à fait, hein. Parce qu'on se pose des questions, on a des doutes au niveau d'une histoire, d'un lien. On a un conflit énorme. Ouais. On se pose des questions au niveau d'une histoire love, quoi. On est en train de travailler là-dessus et on te dit que tu as la victoire, malgré ce truc-là.
Ça peut être une histoire de jalousie, hein. Un manque de confiance, hein, sur nos projets et que ça nous emprisonne. Bon, écoute, là, franchement, je crois que je ne peux pas aller plus loin parce que bah, il n'y a plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Donc, bah, je te propose qu'on aille regarder quand même prochaine vidéo, cette histoire, parce que moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est comme si, tu vois, avec certitude, on va les regarder. Parce que c'est comme s'il y a trois personnes ici et que on essaye de protéger un de l'autre. Tu vois, un conflit, une rivalité dans une histoire avec la tierce, un changement, des nouvelles. Et c'est comme s'il y a trois, on est trois, il y a trois ici. Il y a trois choses, trois personnes. Et il va falloir régler ça, mettre un terme à ça parce que c'est trahison. Donc, bah écoute, on ira regarder ça à la prochaine vidéo. Donc, voilà, je pense que j'oublierai pas parce que là, non, c'est pas possible. Je vais les mettre de côté. Je vais mettre ces trois-là de côté. Et on va regarder prochaine vidéo. C'est quoi cette histoire? C'est quoi que cet empereur, il protège ici? Il y a quelque chose, cet empereur, qui le rend très... très bizarre. Ça l'empêche même d'être lui-même, de travailler. Il regarde quelque chose, vraiment. Il y a quelque chose au fond de son cœur qui est très compliqué. Et vraiment, on parle ici de trahison, évidemment. Et on a des ennuis et on dort très mal ici. Et c'est assez rapide, hein. C'est un déplacement, quelqu'un qui arrive, on parle de, ouais, de c'est ça, de le passé. Donc, je te dis à très vite, je te fais des énormes bisous, dis-moi en com, n'oublie pas de me dire tout et tout et tout, je te fais des énormes bisous, c'est Gabi, Gabine love, je t'aime, à très vite, love, 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 in love, bisous, bisous.